Salut. Bonjour. Nous sommes contents de vous voir. Vous êtes les derniers. Je suis Seth Morley, et voici ma femme Marie. Nous savons. Ravis de vous connaître. Faisons les présentations. Ignatz Tug. Enchanté de vous connaître. Je m'appelle Betty Jobern, et ce monsieur, Bert Kosler, notre gardien. Enchanté de vous connaître, monsieur Kosler. Notre photographe et expert en analyse d'échantillons, Tony Dunkelwelt. Sam. Maggie Walsh, notre spécialiste en théologie. Enchanté de vous connaître, docteur. Quel est votre parti ? Secrétariat, je m'appelle Suzanne. Votre nom de famille ? Smart. Joli nom. Je me demande, ils m'appellent tous Susidum, ce qui n'est pas très spirituel. Pas spirituel du tout, en effet. Wade Fraser, je suis le psychologue de la colonie. À propos, j'ai fait passer des tests à chacun à son arrivée. J'aimerais vous y soumettre aussi tous les deux, plus tard dans la journée si vous voulez. Entendu. Quel est le but de cette colonie ? Nous le saurons dans quelques heures. Dès que Glenn Melsner, notre électronicien et programmateur, aura pu contacter le satellite en orbite autour de cette planète. Vous voulez dire que vous l'ignorez ? Que personne ne vous a rien dit ? En effet, monsieur Morley. Mais nous allons maintenant le savoir, après tout ce temps d'attente. Comme ce sera délicieux de savoir pourquoi nous sommes tous ici. Ouais. Donc vous pensez comme moi, monsieur Morley. Oh, je trouve que c'est si charmant de pouvoir être tous du même avis. Moi, je ne suis pas d'accord. Mes tests indiquent que chaque membre de ce groupe souffre d'une tendance marquée à l'égocentrisme, ainsi qu'un désir inné de fuir les responsabilités. Je vois mal en fonction de quoi ils ont été choisis. Je remarque que vous ne dites pas nous, vous dites ils. Nous, ils, c'est la même chose. Vous faites preuve d'un esprit obsessionnel. C'est là une autre caractéristique statistiquement anormale en ce qui concerne ce groupe. Tous ses membres manifestent des obsessions. Je n'en crois pas un mot. Je pense que vous êtes dingue. Ce sont tous vos tests qui vous ont rendu ma boule. Ces bâtiments sont fabriqués à bas prix. Déjà, ils menacent de tomber en ruine. Impossible d'avoir de la chaleur ou de la fraîcheur à volonté. Vous non, voulez mon avis ? Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas J'espère un endroit bien ne jamais le voir. Durer. Qui est le chef de cette colonie ? Vous ? Personne n'a été désigné. C'est l'un de nos problèmes. Rien ne change jamais. Malgré la théorie de Spektovski sur Dieu pénétrant dans l'histoire, on remet tout en marche. Oui, vous l'avez déjà expliqué. Ce n'est pas l'endroit construit pour une obsession. Pourquoi sommes-nous ici, hein ? Je n'en ai pas la moindre idée. Glenn Belsnor. Seth Morley. Sale ambiance, hein, Morley. C'est comme ça depuis que je suis arrivé, en second juste après Fraser. Vous savez ce que Fraser a essayé de faire ? Comme il était le premier arrivé, il a cherché à se faire passer pour le chef du groupe. Il a même dit qu'il avait compris d'après ses instructions que c'était à lui de prendre le commandement. Nous avons failli y croire. Je suis Ben Tolchief et je suis arrivé juste avant vous. Moi, c'est Seth Morley. Océanographe, anciennement attaché au kibbutz Tessel Fares. Et vous, votre spécialité ? Naturaliste qualifié catégorie B. À bord du vaisseau où je me trouvais, il n'y avait presque rien à faire. Et le voyage devait durer 10 ans. Alors j'ai envoyé une prière par l'intermédiaire du transmetteur du vaisseau et elle a été expédiée par relais jusqu'à l'intercesseur. À moins que ce soit le psychofaçonneur, mais je pense plutôt au premier parce qu'il n'y a pas eu de réenroulement temporel. Intéressant que vous soyez ici à cause d'une prière. En ce qui me concerne, j'ai eu la visite du marcheur sur la Terre au moment où je cherchais un fuseur pour venir ici. J'en avais choisi un, mais il ne faisait pas l'affaire. Est-ce qu'on peut obtenir un repas ? Nous n'avons rien mangé aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de piloter le fuseur au cours des dernières 26 heures. Maggie Walsh, ce fera un plaisir de vous rassembler. Ceux qui passent ici pour un repas, un truc du genre petit pois surgelé, ersatz d'escalope de veau congelé, et café de cette saloperie de percolateur prétendument hémostatique qui n'a jamais marché même au début, ça ira ? Il faudra bien. La magie, ça se tombe vite. Pardon ? La magie est nouvel endroit, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ne soyez pas aussi catégorique, il n'y a pas que la vie sur cette planète. Vous pensez qu'il existe une civilisation indigène ?
Je ne sais pas. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a un édifice. Je l'ai aperçu une fois où j'étais sorti du campement. Et quand je suis revenu, impossible de le retrouver. Une grande construction grise avec des fenêtres, des tourelles. Une hauteur d'environ 8 étages, je ne suis pas seul à l'avoir vu. Berm l'a vu, Walsh aussi. Fraser dit qu'il l'a vu, mais je pense qu'il triche. Il ne veut pas donner l'impression d'être à l'écart. L'édifice était habité ? Difficile à dire. De loin, on ne pouvait pas bien voir, aucun de nous ne s'en est suffisamment approché. C'était très... menaçant. J'aimerais le voir. Personne ne quitte le campement aujourd'hui. Nous devons contacter le satellite pour recevoir nos instructions, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui se passe, Babel ? Encore malade ? Qu'est-ce que c'est maintenant ? Vous vous consumez comme la dame au camélia ? Manque de glucose dans le sang. Agitation motrice de type dystonique, très désagréable. Votre corps est pour vous comme la maison pour la ménagère. Vous le ressentez comme un environnement. L'environnement somatique est l'un des plus réels qui nous entoure. C'est notre premier environnement dans le jeune âge. Et dans la vieillesse, quand les destructeurs de formes altèrent notre vitalité et corrompent notre apparence, nous redécouvrons que le prétendu monde extérieur importe bien peu quand notre essence corporelle est en jeu. Mettez-la en sourdine là-bas. Si vous avez envie de parler, tirez-vous. Babel ? Vous méritez bien votre nom. Vous aussi. La ferme, sinon ne va jamais arriver à entrer en liaison avec ce foutu satellite. Si vous la fermez pas, c'est vous que j'ai tripe. Plutôt que cette sale mécanique, et ça sera un plaisir. Sa voix était basse, mais je comprenais parfaitement. Il ne disait aucun mot inutile. Je suis fier de vous, a-t-il dit aussi. Votre grand amour des animaux, votre compassion vers les formes de vie inférieures rejaillit sur tout votre mental. La compassion est fondamentale chez l'être qui a surgi des confins de la malédiction. Continuez ? Et alors il a dit une chose étrange. De même que je vous ai sauvé, que j'ai sauvé votre vie par compassion, je sais que votre grand pouvoir de compassion vous permettra de sauver à votre tour, physiquement et spirituellement, la vie des autres. Je suppose qu'il voulait dire ici, sur Delmaco. Mais il ne l'a pas dit. Vous l'aviez déjà vu avant ? Plusieurs fois. Je l'ai vu 7 fois, et j'ai rencontré une fois le psychofaçonneur, ce qui me fait donc au total 8 expériences avec l'unique et vraie divinité. J'ai vu aussi 2 fois l'intercesseur, soit 10 expériences en tout, au cours de ma vie entière, bien sûr. À entendre le récit qu'a fait Monsieur Morley de ses expériences, vous semble-t-elle similaire à la vôtre ? Dans l'ensemble, oui, plus ou moins. Je pense que nous pouvons accepter, dans une certaine mesure, ce que dit Morley, et pourtant... Je crains de rester sceptique. Était-ce vraiment le marcheur, Monsieur Morley ? N'était-ce pas par hasard un travailleur itinérant de passage par là, et cherchant à se faire passer pour le marcheur ? Je sais que c'était lui parce qu'il a parlé de mon chat. Ah, votre chat. C'est donc de là que vient l'allusion à votre compassion envers les formes de vie inférieures. Comment un vagabond de passage aurait-il été au courant pour mon chat ? D'ailleurs, il n'y a pas de vagabonds dans les parages de Tessalfares. Tout le monde travaille, c'est ainsi que fonctionne un kibboutz. Venez ! J'ai contacté ce putain de satellite ! Je vais déclencher l'enregistrement des instructions ! Je ne pensais pas qu'il y réussirait. Les données ne sont pas encore parvenues. Elles ne le seront que quand je donnerai au satellite le signal. Allez-y. Oui, Glenn. Déclenchez le processus. Oui, allez, quoi ! D'accord. Bienvenue à la colonie de Delmacro. Ici le général Tretton d'Interplan Ouest. Ça y est, c'est le satellite. Taisez-vous, Belchnor, on écoute. On peut le repasser autant de fois qu'on veut. Selon nos prévisions, la chose se situera au plus tard le 14 septembre, temps terrien.
Je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi, par qui et dans quel but a été fondée la colonie de Delmacro. Son objet fondamental est de trouver... Que se passe-t-il, Glenn ? Il n'y a que deux têtes sur les modèles de transmetteurs pareils à celui du satellite. Une tête d'effacement devant laquelle le laser passe en premier et une tête de lecture et d'enregistrement. Ce qui se produit, c'est que cette seconde tête est passée de lecture à enregistrement. J'ai comme l'impression que le logiciel a bugué. Donc ça efface automatiquement le disque et je ne peux rien y changer. Elle est en position d'enregistrement et y restera jusqu'à ce que tout le disque soit effacé. Mais si elle s'efface, le contenu de la bande sera détruit à jamais. C'est exact. Il s'efface sans rien enregistrer et rien à faire pour faire revenir la tête en position de lecture. Regardez. Rien. Le logiciel est bloqué, c'est sans espoir. Bon Dieu ! Thank you.